Je suis en couple et ça fait 4 ans que je suis en couple. 4 ans de couple. Et moi, je suis en train d'apprendre à vivre une longue relation, d'accord? J'avais jamais encore fait autant de temps avec quelqu'un. Et je me rends compte qu'en vrai, 4 ans, bah, tu connais pas vraiment les gens, en réalité, d'accord? Et moi, j'ai encore un petit secret pour lui, tu vois. Je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose, d'accord? Moi, j'ai trop peur de péter devant mon mec, d'accord? Je suis là, j'en peux plus, d'accord? Je suis en train de mourir de l'intérieur, toute seule, d'accord? Mais tu sais, je pense que c'est parce que je suis une femme, j'ai pas envie de détruire cette image de la femme qu'il a de moi, d'accord? Je vais pas le traumatiser tout de suite, d'accord? Il reste encore quelques années à vivre encore ensemble. Mais je pense que, surtout dans un couple, c'est souvent les hommes qui passent le cap en proms, on est d'accord ou pas? Oui, parce que péter pour eux, c'est rigolo. Je sais pas, il y a un concept qu'on capte pas, il y a un délire, et là, il pète, il te fait... Toi, t'es là... Tu sais, les hommes, c'est des bourrins. Moi, mon mec, c'est le chef des bourrins, d'accord? Lui, tous les matins... On dirait une bagarre dans son cul. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et la seule excuse qu'il trouve en sortant de la salle de bain, il te dit, chérie, j'ai mal au ventre, là, un petit peu, là. On va voir un médecin, t'es en train de crever de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'aime de tout mon cœur, je vous jure. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'établis des plans, des techniques pour rester en vie, tout simplement, d'accord? J'attends de regarder un film tranquillement avec lui. Là, vous vous dites, c'est risqué, mais je suis une professionnelle, t'inquiète. Et là, il y a ton corps qui t'envoie un message. Tu sens quand ça va être le ratatatatatatatata. Ou le... Vous le connaissez celui-là, le souffle du diable, vous le connaissez ou pas? Si je sors celui-là, il meurt à côté, je le tue, je l'assassine. Celui-là, il est silencieux, mais vicieux, il faut vraiment se méfier de celui-là. Et je me couvre bien comme il faut du plaid, histoire de couvrir tous les trous. Pas qu'il y ait d'évacuation d'air, sait-on jamais. Je me dis, là, ça devrait pas sentir, je l'ai sorti par un coup, normalement, ça devrait pas sentir. Sauf que l'odeur, elle vient et elle se claque, claque, et là, l'odeur...